Non, je dis toi, tu les fais quoi sinon? Moi, pour de vrai, en fait, c'est ce que j'aime le plus, c'est ses cheveux blancs, sa perruque blanche. Je sais pas pourquoi ça m'excite trop. Je la prends par la veuche. Parce qu'on dirait une vieille. Non, attends, faut que je change de phrase. Mais elle est carrément belle, ma mère, sérieux. Merci. Ouais, vraiment. Carrément gay. Et Psartek, Merci la beaucoup. maison. Vraiment Psartek. Parce que Merci. Sérieux, elle a sérieux. vu, magnifique. Et la montagne, à ce qui paraît, elle t'appartient aussi en face. Non, ça c'était une référence juste au Roi Lion. Ah, je suis naïf, Ah. ok. Ouais, bah oui. Ah, le roi Léon, je capte, je capte. Mais non, ça c'est pas la meilleure vue, je trouve. Ouais, c'est vrai, la base militaire. Hein. Non, non, c'est que j'ai une maison sur la côte là où vraiment vue sur la mer, c'est très joli. Hey, les amis, sinon vous consommez pas de drogue, c'est bien ça? Oui? Pourquoi? Bah, Attends, pas oui, du vous en tout, moi. consommez? Non, oui, je n'en consomme pas. Moi, Ah. j'en consomme, mais quand y a pas mes darons. Tu connais. Ouais, bah vas-y, on parlera après, mon ref. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Et Tant que tu sinon, fais pas ça à la maison, ça me va. Ouais, tranquille, tu connais, on n'est pas dans des bails comme ça, nous, non. J'espère pas. Hein? Hein, Un Frix. calvitieux? Un Non, Frix. vraiment, vraiment Non, pas. non, et d'Ausie après le vaccin, on n'est pas dans ça. On De n'est pas dans quoi? ça. Sérieux. Attends, mais il a dit quoi, Bobby Lashley? Qu'est-ce T'as qui dit quoi? t'arrive? J'ai dit, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans la gueudron, nous. Je te raconte. Non, non, moi je veux juste de l'argent d'ailleurs, vous aurez pas un peu de sous, vous quatre là? S'il vous plaît, moi vous voyez, ça va, alhamdoulilah, J'ai financièrement carrément pas de parlant, sous. mais s'il vous plaît, Là j'ai que dépannez-le 100 un peu, miskin. dollars dans j'ai que 100 dollars dans mon Non, ça va, Mais regardez, comment j'en ai ça que gardé. 100 dollars? Une maison comme ça, plusieurs millions, t'as Mais que 100 balles? je lui ai donné 59 000 la dernière fois. Quoi? Quoi? Ah bon? Mais oui, je te les ai Attends, mais donné. c'était pas pour moi, c'était pour l'association. Viens, on C'est va pas parler Gazou, sérieux. c'est C'est Gazoual, Là c'est non? juste pour toi? Mais oui, c'est pour Eh, moi. viens, moi viens pour l'association a m'a dit Gazou. qu'elle a commencé les fonds à zéro, je comprends plus rien moi. Ta gueule, toi. Quoi? Attends. C'est quoi cette histoire? Mais non, mais il dit n'importe quoi, il veut foutre l'embrouille. Il faut combien à peu près? Donne-moi ton boule. Quoi? Donne-moi. Non, 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 Donne-moi. par contre, J'ai ça va dit. finir à la cave, hein. Non, j'ai dit donne-moi environ 10 000. 10 000 boules. 10 000, ok. Mais. Ah, tu vas prendre dans le coffre? Ouais, Le je prends dame dans le sec, t'es coffre. vraiment T'es culotté. agressif, Skype, hein. Ah, on touche pas à ma femme. Yo, par contre, maman, c'est pas grave, mon argent de poche ou pas aussi, parce que là, je l'ai pas eu. Je Hey, il te a donnais 40 ans et il appelle une meuf de 30 ans maman. Ouais, j'en peux plus, C'est j'en peux grave, plus. c'est grave. C'est la pièce Ah à là droite. là. On essaie Sugar Mommy, hein. Mais écoute, Sugar Mommy, tu connais. Hein. Tu connais, Dame Sec. Y'a rien, ça bouge pas. Eh, Merde. Skypiea, c'est en référence à One Piece? Mais c'est Skylar! Non, 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 voilà, c'est Skylar, mais Eh, oui, One Piece. tu Elle est où, penses Squad 1? Sud? et Nelou, il va revenir un jour ou pas? Oh putain. Ah, ah bah, excuse-moi. Il est passé où, Thread? Thread? Je pensais à regarder One Piece, moi. Il est dans la chambre. Oh putain, qui lit. Non, non, Mais il elle est où le non, coffre? non. Moi, je veux La juste dernière dans fois, le j'ai coffre. dû brûler les draps. Mais putain, cette maison, elle est trop bien, je le jure. Eh, cette maison, elle est magnifique, je te jure, je la veux Pas que pour la mon père. maison, mon ref, pas que la Thread! maison. Hein? Thread, j'ai ton argent de poche! Ça va, maman, tranquille, bien. Mais il est où, Thread? Quoi? Mais il est passé où? Eh, il est où le Il est pas coffre-fort? descendu? Ouais, Zoltan. Il est où le Il est où le coffre-fort? donneur Quoi, kebab celui-là? là? Je comprends pas. Il est où? Amène-moi un coffre-fort, je te dis, il est où, Sraud? Vas-y, bébé. Wouah! S'il y a pas des. S'il y a pas des talons à 30K ici. Il est ici le coffre-fort? À deux doigts de les voler, je crois. Je crois, hein. Attends, c'est peut-être de l'autre côté. Non, c'est pas là, je crois, c'est en bas. Mais je le jure, elle est trop belle cette maison. La Voilà, tête, eh les gars, je vous doucement. parle ça, la maison, elle a l'air trop belle. Aïe! Yo yo, ça va, y'a toujours. Combien? La fixe. Il est où, Shred? Mais je sais pas, il est peut-être sorti, non? Je sais pas. Je le vois pas. Ouais! Ah, vous cherchez Shred? Bah Ah, oui, j'ai ouais. trouvé, j'ai trouvé. Il est Vraiment. sorti? Il est où? Je crois, attends, je crois, il est au fond là, à gauche. Attends, faut le laisser faire ses magouilles là. Faut que je les retienne le plus Ah. possible. Eh, il est là, il est là, Attends, il est là. là! Allez, suivez-moi. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais Vous allez Inch'Allah, il voit me la virer maximum d'argent. folle, c'est pas possible. Eh! Il est là, eh, vous le voyez? Non. Mais il est là, wesh! Vous voyez pas en haut de la colline, il va sauter? Quoi? Vous voyez pas là? Non. Wesh, vous êtes aveugle. Eh, vous voyez le buisson que je pointe du doigt? Ouais, mais c'est un buisson. Ouais, c'est un buisson! Mais regarde, tu vois pas une ombre qui dépasse? Mais je suis le seul à le voir Hey, ou quoi? je sais pas ce que t'as pris, mais tu devrais peut-être éviter, hein.
Mais hé, attends, on va demander à ton collègue. On va chercher ensemble le calvitieux là. Mais il est juste là là. On va demander au collègue. Eh, va faire pousser tes gumelets toi, vas-y. Je vais faire quoi? Bah, les gumelets, faut que je les fasse pousser. Yo, reste chill, Skyper. Qu'est-ce qui se passe là? Relax. Vas-y, bro. Vous savez quoi, on se sépare en deux groupes. Vous deux, vous les cherchez. Gumelets, il va les faire pousser. Moi, je vais y aller du coup, Sky, je te donne les 20 000. Attends, viens là. Vas-y. Allo, ça sera. Comment ça sert rare, c'est Luken, wesh. Eh, hey, descends de la colline, s'il te plaît. T'as vu, voilà. Il cherche. Merci, de la colline. Je lui donnerai après. Ouais, bon, ouais, tu le donnes. Ah. Okay. Hey, gros, tu es trop dur avant, je crois, c'est mort. Vas-y, passez une bonne soirée. Eh, tu sais, Eh, Luken, mon ref, reste en ligne, s'il te plaît. Attends, attends. Attends. Eh, tu sais qu'à chaque fois, ils mettent que des cœurs pour toi dans le chat. Quand ils savent que t'es là. Merci. Il est ce mec, sérieux. Ouais, c'est sûr. Vas-y, bah, je vais chercher. Regarde, tu vois les cœurs là ou pas? Ah ouais. Ils écrivent Maria, je sais pas. Attends, elle... Viens, viens, j'ai trouvé un truc de bébé. Je suis en bas, je suis dans la maison. Ah voilà, je t'avais dit de descendre de la colline, ça. Mais attends. Luken, tu m'as dit quoi mon ref? Si, ton truc il est trop dur à vendre, je crois, c'est mort. Mais vous avez réussi à en vendre à 4000 ou pas? Y'a rien. Attends, frère. Les gens ils me proposent 1000, 200, 400. Si vous pouvez faire un 1000, faites 1000. Au calme, au calme, au calme. Vas-y, on va essayer de faire 1000. Vas-y. Mais je pense que ça passe. Vas-y, au calme, c'est calme. Vas-y. Vas-y, Luken, mon ref. Sera sale, pourquoi t'étais en haut de la colline? C'est bon pour toi, ça tu l'as pas vu la meuf là? Elle m'a appelé là-bas et elle m'a appâté, je me suis perdu là-bas. Mais c'est ce que je disais à Shogat. Elle m'a fait des avances, mais j'ai dit que je suis fidèle à Shona. Ok, ah bah Psartek. C'est bon du coup, tu lui as filé 20 000? Ouais. Vas-y, bon bah moi. J'ai rien du tout. C'est une voleuse, Skype. Si, je t'ai tout donné par contre. Hein. Attends, je regarde. Ciao, Maria. Ah j'ai mal regardé même. Ah putain, merci. Bah y'a pas de soucis, t'inquiète. Merci, okay. Non mais c'est pas toi qui m'a donné de l'argent, tu t'as juste fait la transmission, t'es ouf toi de dire c'est pardon, normal. Pardon, on a bossé ensemble pour le gaming. On a bossé ensemble pour la Ah pardon, désolé, pardon. Ok, on a un quadrio là. Ouais. Ça, un jour on se fera une petite soirée à 4. Yo, Shona. Ah Berlusconi. Tu m'as pas donné mon argent de poche. Eh les gars, respect. Maria c'est la femme. Ouais. Mais parle fils de pute. Ah, hey, je là. Viens, mais j'ai attiré leur attention. Viens, dans un coin, Hey, mais toi, tu savais que t'étais en train de faire une connerie. Je leur ai dit, regardez, il est sur la colline là-bas. Et je leur ai dit de regarder un buisson pendant 40 minutes. T'es trop fort, t'es trop fort, tu sais pourquoi? Mais t'es trop con, toi, par contre, t'as tout mélangé. C'est pas elle à qui tu dois vendre la drogue, c'est la meuf que je viens de voir. Elle a un ami, elle m'a dit, c'est un consommateur, t'es allé fou, il veut que de la drogue. Mais il est où? Elle va me donner son hume là. Et on va aller. Je vais te le donner, on va aller le voir, il va tout acheter. Mais toi tu faisais quoi en attendant? Comment ça? T'as réussi à péter tout ce que tu voulais péter? Ouais, j'étais avec elle derrière là, juste des Ken vite fait, elle aime trop ça celle-là. Fallait qu'on se mette derrière le mur, sinon Shona elle est jalouse. Ah ouais, d'accord. Putain, je pensais que t'étais en train de voler de l'argent dans le coffre. Non, c'est ça ton souci, quand tu parles aux meufs, tu parles trop, ça y est, c'est bon, ça y est, nique sa mère. Mais j'ai dit quoi? Mais faut y aller, toi t'es là, c'est une tulipe de Nonambour ou je sais pas quoi, voilà, qu'est-ce que tu me racontes, nique ça, mais t'as parlé de plantes, là, qu'est-ce que tu me parles, toi? Frérot, j'essaie d'attirer leur attention sur quelque chose d'autre, je pensais que tu volais des trucs dans le coffre. T'as accès au coffre? Putain, ouais, mais le coffre, il y a pas assez, faut que je commande un nouveau coffre, il y a pas assez de place pour mettre de l'argent. Ok. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, vas-y, viens, on leur dit au revoir, on se casse, non? Vas-y, on leur dit. Bon, les amis, ce fut un grand plaisir. Sky, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable, merci énormément pour ton accueil. Ouais, c'était trop d'art et ça a mis le fire ce soir. Et Bobby Shmurda, merci énormément pour ton accueil, ça fait plaisir. Calme-toi, Dahuizé, calme-toi. Va plus loin. Ok. Consommer. C'est de la bonne vente. D'accord, ok. Bon, les refs. Allez où? Bonne baise. Allô, Shona. Elle est partie dormir. Mais elle est folle ou quoi celle-là? Il est 16h. Wesh. Elle est déjà fatiguée. Je veux rester avec ma mère préférée, les mecs, dans la maison. Va dormir avec elle. Fais en sorte qu'elle se repose bien. Les mecs, avec ma mère, sérieux, j'ai plus 8 ans. C'est vraiment une maison close ici, sa mère. Oh putain, j'en peux plus. Bon, bonne soirée. On va regarder.
Maman, bah non, on m'a ouvert aucune porte, hein. Bon, allez, bon, bah, allez, on peut le changer. Il y a deux minutes. Moi, j'ai un deux minutes, bon, frère. Eh, s'il te plaît, quand tu le feras, tu peux crier Boule Baba permis. Je le ressentirai, t'inquiète. Juste crie Boule Baba permis. Vas-y, viens, on y va, ça sale. Vas-y. T'as pété un plomb, pourquoi tu veux qu'il crie ton blaze? Je vais le ressentir, je t'ai dit, je ressens les choses, moi. Oh ouais, eh, hey, t'as vu les Daft Punk? C'est un groupe français? Ouais, bah quoi? Eh ben, wallah. Putain, faut que j'arrête de jurer comme ça. Wallah. Attends, mais tu sais, si tu dis trois fois, ça compte pas plus, hein. Eh, vas-y, bah. Je le jure, je les avais plus écoutés depuis le collège. Je les ai écoutés samedi dernier, deux jours après, fin du groupe. Comme par hasard, j'avais senti qu'ils allaient se séparer. C'est pour ça que j'ai écouté sur Spotify. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, wallah, c'est vrai. J'ai envoyé même ça sur un groupe avec avec un mec qui s'appelle Yas et Yanou. Ah ouais, enfin, et t'as senti qu'ils allaient arrêter ou qu'ils allaient faire bah, quoi? Bah, inconsciemment, oui, parce que je les avais pas écoutés depuis le collège. Je les écoute deux jours avant, zéro news. Merci Kaneki. Ah, t'as regardé Tokyo Ghoul toi aussi? Non, mais. Ah, c'est moi qui conduis, je crois. Merci pour les knackis, je voulais dire ça à Shona, parce qu'elle m'a donné des knackis quand j'étais chez elle. Des knackis. Ah, bah ça se met bien par ici. Ah ouais. Elle me donne des knackis et moi je lui donne. Bon, on a compris. Chacun son knacki. Eh! Ouais! Bon, petit fils d'up. Il est où le gars qui consomme beaucoup de drogue là? Ah, attends. Mets-moi un point repère et j'y vais. Attends, regarde-moi. Écoute, ça, c'est magnifique. Attends, oh putain. Oh merde. Ah, voilà, c'est... Allô? C'est magnifique, on dirait la Bretagne. Allô? Oh, c'est beau de fou. Allô? Allô? Il a pris 59 000 balles et t'as rien dit. Allô? Piste de pute. Oh. Piste de pute. Ah, on dirait la base de loisirs de Sergi. Hey, t'es déjà allé là-bas? Ouais, je failli mourir. Allô? Allô? Oh, faut que tu prennes du miel, tonton. Hein. C'est vraiment magnifique. Je te jure que c'est magnifique. Oh! Attendez! Attends, je décroche, je raccroche. Oh, fils de pute, t'es dans la G-Wild ou quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Eh, mets-moi la pause, Bi! Eh, tu sais quoi, je retourne au parking central. Allô? Oh putain, on est loin. Il a un souci, lui. Ah non, on est pas de loin. Oh, prends du miel. Ça marche pas quand. Prends du miel, je t'entends pas, moi. Ah, putain, le système... Le système audio du téléphone est mal réglé. Veuillez attendre 30 secondes. Eh, faut penser à baiser ta mère, hein, un jour ou l'autre. Attends, mais les téléphones, ils ont un problème, apparemment, faut attendre 30 secondes. Ben oui, tu savais pas. Eh, on n'entend rien à partir de 11 secondes. C'est la ligne opérateur Vodafone. Oh, ça, tu me dis quoi? J'appelle le drogué. Vas-y. Putain. Ah! Oh! Merde, il roulait sur qui? Aïe! Oh! Aïe. Ah, c'est bizarre, ça fait mal aux colonnes. Et la vie de Hamsh? Quoi? C'est quoi Hamsh? Merci pour le sub, Fossoyeur. Merci, mon ref. Bien, descend, ça sera, on va lui prendre sa voiture. Ça bien. Merde. Allez, ferme.
Attends, j'appelle un mec là. J'appelle le mec. J'espère qu'il va répondre. Tu connais un JJ? Un JJ? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi un JJ? JJ, c'est un toxico. Attends. Il est où, Baltrou? J'avoue, je sais pas. Je sais même pas. Je crois qu'il est en déplacement, je crois. On va voir. Appelle. Attends, je te donne le num. À toi aussi, essaye d'appeler toi, peut-être. 555-3501. 3501? Ouais, c'est le toxico. Il s'appelle JJ. Apparemment, il est super cool. Si t'es gentil avec lui, tu peux tout le vendre. Vraiment, essaye d'être le plus poli possible. Putain, je peux pas changer de ligne en fait. Putain, mais pourquoi la voiture est dans cet état? J'ai loupé quelque chose là. Non, elle était déjà comme ça, t'inquiète. Ah, attends, 555-3501. Okay. Ouais. Ah, chérie, fais tes valises, il faut quitter l'Afrique. Attends, mais c'est pas ça les paroles! Il faut quitter. C'est quoi? C'est pas ça. C'est il faut quitter la ville, sale fils de pute. Oh merde! Oh là là. Je suis en train de l'appeler là, mais. Merci pour les subs offerts! Merci beaucoup! Merci! Farah? Ouais! C'est la teuf! Putain, la voiture elle marche pas. Putain, il répond pas. Je meurs ou pas ces shooters? Je crois il est parti Nares ton poteau. Hein. Oh attends, je vais appeler. Comment on va se trouver une voiture? Mais on est combien le connecté ce soir? 132? C'est pas ce quoi, je comprends pas. Ah, t'as des munitions ou pas? Non, putain, il faut qu'on ait un PPA pour qu'elle nous donne des munitions, j'ai v'là la rage. Putain, mais t'arrives à lui prendre autant de sous, t'as pas le PPA? Oui, allô, hé, hey, ton pote JJ, il est pas là? Tu penses il va se réveiller ou il est occupé ce soir ou quoi? Attends, y'a pas une petite voiture? Il est là vers minuit. Ok, vas-y, pas de soucis. Vas-y. Tu sens bon. Bon, putain, t'as niqué la voiture. Ouais, il est là vers minuit. Attends, il est là. Okay, monsieur. Okay, ça marche. Oh, nique ta mère, fils de pute. Non, attends. Merde. Ouais. Eh, hey, je pense vraiment que un de nous tous doit passer le PPA, putain. Moi, je vais aller le passer, mais ça prend du temps. Monsieur, non, c'est vite fait, t'as allé fou. Vous avez pas capté que votre voiture, elle était épave? Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je l'abandonne. Deux secondes, s'il te plaît. Vous avez besoin d'un taxi, un boss. C'est qui part? Ouais, vas-y. Vas-y. Vas-y, viens, on y va. Hey, viens. Vas-y, va à l'hôpital, tu passes le test psychologique. Attends, je vais lui demander si je peux prendre la voiture. Elle est de connard dans le véhicule, là, vous allez descendre de suite, là, je braque, là, c'est bon, attends. Descendez de suite. Hey, je te la rends. Descendez de suite. Je te la rends, mais... Ok. Descendez, là. Ok. Vas-y, monte le clodo, là, je te pose. J'étais plus petit, toi. Sors-toi, là. Comment ça, là? Comment ça retourne, là? Tu le déchets, espèce de couillon, va. Elle est dans ma voiture. Eh, tu braques qui? Eh, on prend tout. Ton téléphone, ton arme. Non, on prend tout. Téléphone, ton arme, ta radio, on prend tout. Tu vas monter dans la voiture gentiment avec nous. Tu vas nous suivre. C'est des dingues. Monte dans la voiture, on prend tout. Non, eh, tu sors un truc. Eh, range ça. Ta gueule, je l'ai sorti en premier, t'es au dessus du cul, va. Tu vas me baiser ou quoi? Mais tu l'as rangé après. Tu l'as rangé, tu montes dans la voiture. Tu veux qu'on chill? Tu veux que je tire, moi? Vas-y, chill. Chill. J'ai pas envie de tirer pour l'instant, j'ai pas envie de tirer. Bah ferme ta gueule et lance ton arme. Le du cul, va. Tu vas monter dans la voiture, je te braque. Je monte sur rien du tout. C'est bon ou pas? Je monte pas, y'a quoi? Eh, hey, Lucan, tu fais quoi? T'as cru que c'était une agresse? Frère, il est con ou quoi? Eh, hey, ma gueule, t'as rangé ton arme.
Hey, les gars, écoutez-moi bien. Dans la voiture, j'étais déjà en joue. Vas-y, range, c'est pas un endroit pour ça. Je suis à côté de mon véhicule, tu me voles mon véhicule. Rangez vos armes, c'est pas un endroit pour ça, frère. Rangez tout. Bande de débiles, va. Tu vas où comme ça, là? Ah, smash, je me suis trompé de voiture. Attends. Ouais, t'es trompé. Ah, il est passé où? Oh, Lucas. Bébé. Ouais. Ouais. Il est passé où, Sarsal? On est d'accord, il avait rangé son arme, le poteau. Ouais, mais au calme, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Eh, je vais aller passer mon PPA là. Oh, les beaux gosses! Jure? Ouais, oh, comme ça, mon équipe. Ici, bande de fous. C'est qui va sortir en premier? De quoi? Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Cours. Eh, va à droite, je vais à gauche, comme ça il y a un seul de nous deux qui se fait attraper. Deux individus en fuite derrière le PDP. Arrêtez-vous. Ah mais c'est madame, il y a monsieur, quoi? Monsieur, mais arrêtez-vous. Ah bah je m'arrête. J'entends rien, j'ai des AirPods. Mais j'entends rien. Moi j'ai rien, mais moi j'ai rien à voir. Allez, bismé, laisse ça monter. Voilà, arrêtez-vous. Oh, tu me sauves, BG, tu me sauves. Quoi? Allez, demi-tour. Ok, c'est bon, j'arrête, je vais écouter le. C'est bon, quoi? Vous ramenez un hélico aussi pour ça? Tu vas gentiment aller bon, avec les Speedy, hein. Oui, mais excusez-moi, j'avais mes AirPods, c'est pas lui, c'est les deux mecs habillés en noir. Mais ils sont pas, ils couraient pas, les deux mecs. Ah, mais moi j'avais mes AirPods, je fais un footing depuis tout à l'heure, je suis en jogging, vous voyez pas? Ah, vous êtes grave. Mais j'ai rien fait. Putain, on est grave. Mais Jap, vas-y, le Raven, il va venir. Il sait qu'ils vont braquer en premier, wesh. On vous met. Je comprends plus, hein, je suis mort. Attends, mais venez, voiture. Par contre, mais Harbat, faut qu'on taille fort. Vas-y, elle est ref. Elle est ref, ça dit quoi les pochons? Ah, rien vendu, frère. Personne touche à la coke, wesh. Boudizi, il a rien vendu aussi? Rien du tout, personne touche à la coke. Putain, vous êtes vraiment des sgeg, des boutsgeg. C'est toi, frère. Eh, hey, Luken, est-ce que ton glandelet il est tombé ou pas encore? C'est quoi ça? Wesh, t'es ça là? Ouais. Ton glandelet. Et ouais, j'ai un gland, mais j'ai pas un glandelet, c'est que c'était pas ça. Mais frère, mais il est con ou quoi? Attends, on m'appelle. Calvin, t'as un glandelet, il est tombé. Oh, ça sale! En quoi? Oh, je t'envoie une pause, tu viens. Eh, j'arrive. Eh, le glandelet de Luken, il est toujours pas tombé, je suis en train de péter mon crâne. Eh, viens. Ouais, on perd à 12 ans normalement. Je t'envoie une pause, tu viens, d'accord? Ok, ouais, t'as vu, c'est grave, vas-y, j'arrive. Et viens tout seul, tu ramènes pas, je sais pas quoi là. Vas-y. Bon, il est tombé dans les shots. Ça m'a fait rire. Ouais, bah en fait, tu sais pas quand il tombe. Genre, tu t'y attends pas. Un jour, tu baisses ton caleçon et tu vois, il est dans ton caleçon, quoi. Tu t'y attends pas. Mais l'autre, il est déjà en train de muer juste derrière, tu vois. Mais putain, il m'a donné rendez-vous à. Il m'a donné rendez-vous à Marineford, The Bee. On a Ines Lobby là. Ah, la voiture elle va rendre là, j'en peux plus. Non, avance encore un peu, on y est presque. Avance. Mais que. Herbano, où est-ce, mec? Ouais. Ça va, Berlusconi? Ça va et toi, mon ami? Il est là, voici, c'est mon ami SDF Berlusconi. Du coup, pour notre entreprise, c'est dans le K40, la valeur signée en mousson a augmenté de 200. Ok. Non, Oster, enlève son flingue. Ok, je vous laisse prendre mon arme. T'as dit quoi? Un Oster? Attends, bouge pas. Oui, là, Oster, enlève son flingue. Oster! Posez-vous.
Non, il en aura besoin. Ok, bien. Et ben, tu charges deux M. Ouais, je fais. Allez, les deux, tu les prends. Bien. Pas mal, les Jordan. Allez, venez là, là, vous deux. Ok. J'avoue, elles sont dingues. Gracias. Ramenez vos culs, là. On arrive. Putain, fais chier. On va vomir nos tripes, je te préviens. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Kader? Viens, quoi, Kader? Allez, on y va. Mais on va où? C'est bon, pas aller, on est tous à bord. Putain. Allez. Je te ramène quelqu'un. Putain. Mais on va où? Le M. Tu veux pas quelqu'un avec toi là? J'ai ramené. Non, c'est bon. C'est... Oh, le Selem Kader, il m'a fait trop rire. Il m'a anéanti. Selem Kader. On va où, excusez-moi? Frère, sois prêt, t'inquiète. Putain, il répond même pas, il est trop mystérieux. Eh, je te jure, à chaque fois que je lui parle, il me dit je vais te niquer ta mère. C'est parce qu'il est chauve, il a la haine. Oh, regarde, dans le ciel, il y a le label de Nino. Mais voilà, j'ai pas compris. Putain, dommage. Subby, tu m'as donné rendez-vous à Marineford, c'est quoi cet endroit? Non, c'est... T'inquiète, je sais pas, voilà, là je crois que c'est au... Carlos! Il répond pas, ce fils de pute. Tu m'as appelé comment? Oh, ça va? Oh. Vous allez bien? Fred, tu... Non. Vous savez pas encore. Putain, on aurait... Ah, mais il répond vraiment pas, ce fils de... Excusez-moi, j'étais au téléphone. Non, arrête de l'insulter. Non, arrête de l'insulter là. Non, arrête, il va nous buter, arrête de rigoler. Mais non, j'étais au téléphone, je viens de le ranger. J'étais en appel avec mon putain d'oncle là, ce fils de pute. Ah, ok. Il répond jamais. Mais Zabi, on est où? C'est quoi cette île? Zabi, c'est l'endroit qu'il y a dans Far Cry. On descend. Là, toi et moi, on va être clair. Aïe! Réinsulte-moi, une non, fois. Aïe! Le fils de pute, ça te pinche pendejo. Je parle à moi. Oh, mais c'est pas moi, je t'ai pas insulté, Carlos! C'est calme. Ok, pardon. Le quoi, toi? Dégage. Oh. Aïe. Moi, j'avais rien fait, je parlais à moi. Tu me réinsultes une seule fois. Je te jette dans la mer avec les requins. T'as compris? Ok, je suis désolé. Aïe! Ma butte. Emmène-toi. Emmène-toi, ah, il m'a mis une sale raclée, sale. Comme ça, on va être clair. Ton téléphone, rapide. Ton téléphone. Ok, tiens, mon téléphone. Ah, ton téléphone, tiens. Toi aussi. Okay, putain. Tiens, je te le donne. Okay. Mais j'ai pas le droit de juste répondre des fois. Il y a une meuf. Okay. Rien à foutre. Ok. Tu as une meuf, toi? Non, il ment. Ouais, j'ai plein. Il ment. La tête doit mieux. Tu sais tirer, toi? Comment tu t'appelles déjà? Moi, c'est Boubaba Berlouni. Comment? Berlusconi. Quel nom de... Vraiment un nom de merde que vous avez tous ici. Je suis désolé, monsieur. Tu es un clochard? Oui, je suis un clochard. J'ai rencontré sa femme plus tard, dès que je suis arrivé en ville. Et dis-moi. Hier, vous avez fait une bijouterie, vous? Hein? Vous avez braqué une bijouterie? Ça, je vous dis la vérité. Quelle vérité, moi j'ai pas braqué de bijouterie, qu'est-ce que tu me racontes? Okay, mais moi, ça sert à rien de me dire alors que je connais déjà la réponse en fait. Moi oui, j'ai braqué la bijouterie et c'est moi qui ai tiré le coup de feu pour commencer le braquage de la bijouterie. Et tu as braqué la bijouterie, pourquoi? En fait, je vais t'expliquer, j'étais dans la bijouterie et j'attendais déjà depuis 15 minutes à l'intérieur. Pourquoi? Bah, on m'avait dit comme quoi à minuit 15... Stop. Shred. Shred. Attends, il est en train de faire une micro-sieste. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tu te rappelles de la cage où je t'avais emmené la dernière fois? Mais j'ai fait quoi? Pourquoi tu me menaces? Et que je t'avais promis d'y aller. Si tu m'énervais ou tu me respectais pas. Mais je te respecte. Non, mais il a rien fait. Là. Donc, toi, on te considère comme l'arme ultime de notre groupe. Et tu vas balancer à tes petits collègues. J'ai pas balancé. Mais tu vas balancer. Comment le sert? Écoute-moi bien, j'ai pas balancé. Demande-lui si c'est les vagos qui lui ont dit. Il m'a pas parlé. Qui t'ont dit? C'est un mec des vagos qui me l'a dit. Comment il s'appelle? Putain! Arturo, je crois, un truc comme ça. Un mec qui s'appelle Arturo, 100%. Arturo? Ouais, c'est lui qui m'a dit ça. Il t'a dit à minuit 15, il y a un bijou. Il m'a dit à minuit 15,
Va faire la bijouterie. En gros, ce que tu vas avoir, ramène-le pour moi et je te passerai ta part. Moi, j'étais au courant de rien. Mais du coup, j'attendais depuis 15 minutes dans la bijouterie. Les balas, ils sont arrivés d'un coup, 5 minutes avant minuit 15. Et moi, j'ai paniqué, j'ai commencé le braquage. Je pensais que c'était donc, le premier qui commençait qui gagnait. Donc, stop. Donc, c'est les Vagos qui t'ont donné l'information. Ouais, un mec s'appelle Arturo. Je crois que c'est un Vagos. Hein. Arturo. Vidal, Arturo Vidal. Arturo Vidal. Oh pourquoi tu me tapes, putain? Vitel, pardon, Vitel. Arturo Vidal. J'aime pas les blagues. Ok. Tu sais tirer, j'ai oublié ton prénom, Bouliskibi, je sais pas. Oh. c'est Boulbaba Bermani, oui, je sais tirer. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Bouliskibi. Tu sais tirer ou pas? Oui, je sais tirer. Tu sais bien tirer? Ouais, vraiment bien. Ok, donc je vais te donner un exercice. Si tu n'arrives pas à faire cet exercice comme moi je le veux, tu mets une balle dans la tête, d'accord? Ah oui, ah oui, carrément. Allez, viens. Dans quoi tu m'as rappelé, fils de pute? Frère. Bougez pas. Pedro, surveille-les. Oh sa mère, faut que je mette un bout de scotch. Il faut un mouvement, tu me le dis. C'est qui Pedro? Il a pris mon arme. Oh, fils de pute, tu parles trop, nique ta mère. Eh, je t'avais dit, je dis la vérité ou pas? Tu m'as pas répondu. Mais non, mais dis pas je dis la vérité devant lui, ouais, j'étais con ou quoi? Je te l'ai chuchoté. Ah bah vas-y, c'est bon alors, si t'as chuchoté devant lui, fils de pute. Ok, vas-y, faut que je me calme, il a l'air dangereux, je pensais que c'était un bon. Mais frère, voilà, il rigole pas, il va nous buter. Mais je sais même pas en où là, j'entends des perroquets, c'est quoi? Mais moi non plus, gros. J'ai jamais rencontré autant d'animaux dans ma vie, pourtant j'en ai baisé des chiennes. Hein. Putain. C'est... Frère, la dernière fois, il m'a emmené s'il y avait des ours, plein d'animaux, c'était allé fouler la forêt ici. On est dans un climat équatorial. Oui, triangle équilatéral, c'est ta mère. Attends, j'ai même pas envie de dire là, je vais mourir à cause de toi, fils de pute. Bon, la tête d'homme, tu vas tirer pour moi, je m'en bats les couilles. Tu vas te mettre derrière moi un peu, tu vas tirer. Je vais tirer ton petit boule. Ouais. Si, je suis avec deux. Tu. Ils sont pas. Ce n'est pas vraiment des pinces, ils m'ont déjà tout dit. Elle a un bob décapé. Tu sais que toi, tu ne seras jamais un homme. Tu as quel âge? Quoi, moi? J'ai 23 ans. T'as 23 ans? C'est un petit jeune, il est puéril, le prends pas au sérieux. Tu as 23 ans et puis je viens de te dire que tu ne seras jamais un homme de ta vie. Quoi, mais pourquoi? Juste, j'ai les golfs reculés un peu, mais... T'as dit quoi? J'ai les golfs reculés, mais c'est parce que j'ai pas fait ma mise à jour chez le coiffeur encore. Je vais te faire ma mage, ça va se passer. Quelle mise à jour? Qu'est-ce qu'il y a quand tu crois que t'es à iOS ou qu'est-ce qu'il y a? À la foutre, ta mise à jour, je comprends pas ce que tu me dis. Donc vous n'avez pas d'armes là, vous deux? Non. Non. Vous pensez que c'est ouvert le magasin du Dorange? Ta gueule. Non. C'est pas mal le temps ici en tout cas. Ouais, il fait beau et j'entends. Y'a ta dorade? Tu as reçu ton Glock et Sred? Mon Glock? Oui, je l'ai. Oui, j'ai reçu le Glock. Vous avez des munitions ou pas? Non. Non, j'en ai pas. Ça sert à rien de me mentir, tout ce que je vous donne, je vous le reprendrai tout à l'heure. Hein. Pas de soucis, chef. Putain, les gars, là je parle pas dans le jeu. J'hésite à tricher. Ouais, en fait, vous savez, il y a des joueurs GTRP, ils font quoi pour tricher? Ils mettent un point rouge au milieu de leur écran, et vu qu'il n'y a pas de viseur. Tu vois la position où je suis? Oui, je la vois. Tu vas tirer sur toutes les cibles noires, une par une, de gauche à droite. Si tu en rates une, je te mets une balle dans le genou. Allez. Mais moi, je préfère tirer sur les cibles blanches. Quoi? Ok, oui, je tire sur les cibles noires. On est d'accord, t'as vu, c'est bizarre. Pourquoi les cibles noires? Bah oui, c'est raciste. Bah oui. Y'a pas de racisme. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Tu commences de gauche à droite. Tu en rates une, je te mets une balle dans le genou. Vas-y. Regarde. Attends, celle-là c'est un test parce que pour calibrer bien mon bras comme il faut. C'était un test, hein. J'avais pris. Vas-y, maintenant ça commence. Raté. Tu peux arrêter, c'est bon. Non, quoi, c'est attends. Quoi ce shoot, bordel? Ah, ça commençait là? Ah, je suis. Non, mais moi, c'est. Oh, parce que... Oh putain. Ah tu lui dis que c'est. Plus tu cours, plus tu t'éloignes, je regarde. Non. Il m'a tiré, il m'a pété une balle. C'est quoi ce cri, petite. Écoutez, bien. Pedro, je vraiment. Retourne-toi, regarde un petit peu vers les magasins là-bas.
Oui, il y a quoi? Et tu vois, c'est pas mal l'architecture ici. Décale-toi, Strud. Non, c'est clair. Ah ouais. Oh, il y a quelqu'un sur toi. Ah ça... Ah putain. Oh, ah, 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 c'est... ah, comment c'était... Attends, ça c'est pas prévu par contre. Ah, c'est comme un petit steak caché, quoi. Non, mais je lui fais juste une petite épine. Eh les gars, c'est trop bon. Dur. Eh, il y a oui, aucun viseur dans GTA. Et... Attendez, je vais faire un petit point rouge, ouais, je vais l'épater. Beaucoup, quand même. Fais molette pour bien viser quand t'envoies la personne. Ok, 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 ça marche. Y'a un mec sur toi, regarde. Oh. Oh. Tu l'as vu? Je me suis mangé un coup de couteau, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'avais touché toutes les cibles, c'est vrai. C'est qui? Bah c'est moi. Bon. Non mais y'a un mec sur toi là, on est d'accord? Ah ouais, Zobi. C'est qui? On dirait LOS. Attends. Montez. Pedro, laisse-moi une dernière chance, vraiment. J'avais mal. Attends, il ne veut pas comprendre. Ah non, Pedro, oh, ne... oh, je rigole. Tu m'appelles comment? Non. Arrêtez. Oula. Vas-y. Non. Je rigole. Non, c'est bon. Non. Putain, non. Ok. Donc, toi, les amis. Mais j'arrive pas. Attends. À monter à l'arrière, c'est ça le truc. Tu vas sortir ton arme pour quoi là? Ah non, ça sort tout seul. Pardon. T'es sûr? It was a mistake from me. Attends, je cale bien la voiture, j'arrive. Toi, par contre, tu veux vraiment te faire gerber. Tu vas vomir ton propre sang, tu vas vomir tes reins. Non, mais j'ai fait quoi? Je suis désolé. Ta gueule. Oui. Oh. Voilà, reste comme ça. C'est bon. On y va, monsieur le... Monte. On y va. Monte. Mais je peux pas. Mais qui? Mais les deux, il est monté. Ah si, c'est bon. Faut comprendre. Ouais. Désolé, il est un peu con. Pas comme toi. Bienvenidos à Cayo Perico. Quoi? C'est magnifique par ici. Et tu as déjà vu une baleine? Une baleine? Oh non, putain, pas cet endroit, putain. Oh, regarde, ça, il y a des fleurs de cerisier, c'est les fleurs de trucs au Japon, les sakura. Ta gueule, le jardinier. Oui. Putain, j'en peux plus, des références nature. Je vais vous apprendre à faire un petit cours de plongeon. Oh non, je sais pas nager. Putain. Je sais pas nager. Oh putain. Je sais pas nager. Descendez. Suivez-moi. Allez là, je le divertis. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. On monte sur le strapotin. Tu as besoin de ton arme pour monter sur le strapotin? Non, il se gratte les fesses. Non, c'est un Toblerone. Avance devant moi. Ok. Salut Billy. Salut Etir, mon ref. Ça va ou quoi? Pourquoi ta tête elle gigote quand tu marches, Albendé? Elle est lourde, sa mère. Tu vois pas tous les cheveux que j'ai, ils sont trop lourds. Tu as pas de muscles? Non, mais moi j'ai plein de choses dans mes cheveux. Bolitamic, arrête-toi. Putain, il marche vite. Montez en haut là. Quoi? Allez, vite. Bon, va falloir respecter mon prénom un peu. C'est Boulbaba Berl. Oui. Vous vous mettez devant eux, vous sautez. Allez. Mets-toi sur le rebord. Mais je sais pas nager. Saute. Mais regarde, je vois un caillou au fond. Je vais cogner ma tête contre le caillou. Attends. Aïe. Non. Arrête ça. Non. Je sais plus. Ah. Saute aussi. Plonge. Mais je sais pas nager. Voilà. Il est où? Si, si, je t'écoute. Arrête-toi. Il y a les deux SDF. Je suis tout seul avec eux, je les entraîne du mieux que je peux. J'ai réussi à nager. Oh. Son crâne il est dur, sa mère. Arrêtez. Oh. Venez. Ah, son crâne il est dur, j'ai jamais vu ça. Putain. Vous allez nager jusqu'au rocher là-bas, vous avez compris? Comme hier, Strud.